À 13 ans, Maxence a une passion, les toupies. Mais attention, pas n'importe quelle toupie, les Beyblade. Loin de la toupie en bois, celle-ci est très sophistiquée et Maxence les connaît par cœur. Celle-là, elle s'appelle Spriggan Requiem, donc elle vient du Japon. Sa pointe, rien que sa pointe, elle a trois capacités. Là, c'est une boule normale, donc de type défense. Quand on lève et on tourne, on a un truc plat pour l'attaque. Pour retenir tous ces noms, c'est pas trop compliqué? Et bah en fait, je me dis ça aussi. Et en fait, non, parce que je les apprends pas, ça rentre dans ma tête tout seul. Et donc là, c'est Galaxy The Tron qui a gagné, parce que celle-ci s'est arrêtée en premier. Au total, il en possède 70, avec des lanceurs et des arènes pour faire des combats. Attention, 3, 2, 1, je perds. Une passion que Maxence aime partager, notamment avec son petit frère. On se les partage, on fait des combats ensemble, et parfois avec mon père, ou ma mère, ou ma grand-mère même. Avec ses camarades du collège, il a même monté un club de Beyblade. Alors naturellement, il a souhaité apporter cet univers dans sa ville. Son idée, créer un tournoi. Pour trouver de l'aide, il s'est tourné vers le conseil municipal des jeunes. À mon top départ, va falloir qu'on se fasse une réunion d'arbitres. Donc on se réunit tous et ensuite on échange les rôles. Maxence, il est venu, il nous a proposé d'organiser un tournoi de toupie Beyblade. Et nous, on en a parlé et tout le monde était motivé. Alors on l'a fait et pour l'instant, ça se passe très bien. Ça fait quelques mois, je suis content que ça se termine. Enfin, content qu'on puisse le faire. J'ai hâte. Dernière réunion avant le grand jour du tournoi, les jeunes ont travaillé durant un trimestre pour que tout se passe bien. Les idées, c'est les leurs. Les commandes, c'est les leurs. Donc moi, je ne fais que transmettre leurs idées, je peaufine. Mais sinon, oui, on peut dire qu'ils l'ont fait de A à Z. Ouais. Ce samedi, Maxence aura l'honneur d'arbitrer la grande finale. Prochaine étape pour le champion, le tournoi officiel de Parly 2, où il espère bien remporter sa place pour la grande finale de la Japan Expo.